Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer une vidéo YouTube en arrière-plan depuis votre application YouTube. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, la première chose à faire, vous allez rentrer dans Play Store et puis vous allez vérifier que l'application YouTube est à jour. Donc, dès que vous vérifiez que l'application est à jour, vous rentrez dans l'application. Voilà, là, on est dans l'application. Je vais chercher la vidéo que je veux jouer en arrière-plan. Voilà. Supposons que c'est cette vidéo-là. Ouais. Donc c'est cette vidéo là que je vais jouer en arrière-plan. Vous-même vous savez que pour jouer une vidéo YouTube, on est obligé de rester dans l'application et dès qu'on quitte l'application, se met en arrêt immédiatement. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous montrer comment jouer cette vidéo là, que ce soit une vidéo musique ou bien par exemple une vidéo de motivation que vous voulez jouer en arrière-plan. Donc la première chose que vous allez vérifier ici, c'est la lecture automatique. Donc vous vérifiez, genre vous mettez ça, vous désactivez la lecture automatique de la vidéo, voilà, et puis vous jouez la vidéo. Dès que vous jouez la vidéo, vous défilez la vidéo jusqu'à la fin, voilà, comme ça, et voilà, la vidéo même va se mettre en arrêt. Dès que la vidéo se met en arrêt, vous balayez la vidéo vers le bas et puis vous rentrez dans l'option shots. Vous laissez jouer la vidéo pendant quelques secondes, voilà, pendant quelques secondes, et puis vous revenez derrière. Voilà, après vous agrandissez votre vidéo, voilà, et puis vous ramenez la vidéo jusqu'au début. Voilà, dès que vous ramenez la vidéo au début, vous allez voir que la vidéo elle-même va commencer par jouer. Voilà, la vidéo elle-même a commencé par jouer. Maintenant, pour jouer la vidéo en arrière-plan, vous allez juste quitter la vidéo. Vous quittez la vidéo avec le bouton Home. Voilà. Et vous allez remarquer que la vidéo continue quand même de jouer en arrière-plan. Si vous voulez, vous pouvez verrier l'écran de votre téléphone, faire autre chose. Donc, c'est ça les gars. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à donner un like à la vidéo. Allez, ciao!